Salut les guerriers et bienvenue à votre 15e jour d'entraînement sur Suspension de Traîneur. Alors aujourd'hui, nous allons travailler tous les muscles de la poussée, donc la poitrine, les épaules et les triceps. Nous sommes, aujourd'hui c'est un jour important, c'est le 15e jour, c'est-à-dire que nous sommes à la moitié de notre programme d'entraînement. J'espère que vous tenez le coup et je peux vous dire une chose, c'est qu'après cette séance, vous allez sentir vos bras. Allez, on commence, en avant! Le premier exercice que nous allons réaliser est un travail de pompe mais directement au sol avec les pieds attachés à votre suspension de traîneur qui se trouve donc, lui, attaché derrière moi dans mon dos. Ok, donc vous attachez vos pieds maintenant, ça vous savez le faire hein, et on va se mettre ensuite directement en position de pompe. Donc je vous rappelle les pompes, hein, les mains sont directement en dessous des épaules, voilà, et vous allez là tendre les jambes de manière à ce que, vous voyez là, mes pieds ne touchent plus le sol. Et dans cette position, nous allons tout simplement pomper, c'est-à-dire descendre au sol et repousser. Ok, on descend et on repousse. Ça marche ? Et cet exercice sera à réaliser 20 répétitions. D'accord ? 20 fois je descends, je remonte. N'oubliez pas, pour la respiration, vous inspirez en descendant et votre énergie et votre souffle vont se déployer en remontant. Ok ? Allez, tout de suite, l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 va être un triceps extension, mais cette fois-ci avec un seul bras, d'accord? Vous vous sentez capable de le faire? Oui, je vais vous montrer plusieurs façons de réussir à le réaliser. Donc là, je vais avoir un bras en avant, ok? Et l'autre main, bah, on va en faire quoi? On va essayer de la mettre alors, soit dans le dos ou soit devant. Tout simplement, le but, c'est de ne pas s'en servir, ok? Alors, je vous dis que tout le monde va pouvoir y arriver parce que si l'exercice vous semble trop dur, n'oubliez pas, comme d'habitude avec votre suspension de traîneur, vous pouvez avancer les pieds. Plus vous avancez les pieds, plus l'exercice là sera simple. Et plus vous reculerez, plus l'exercice sera difficile. Ok ? Alors, dans cette position, tout simplement, mon bras est bien tendu. J'ai mon autre bras dans le dos. Et là, je vais plier mon coude pour ramener là, la main au-dessus de la tête. D'accord ? Mon coude est bien plié. Et ensuite, je le détends complètement. Ok ? Encore une fois, je suis là, bras tendu. Je le plie en inspirant et je souffle en expirant. Ok. Ensuite, à vous de voir si vous sentez ben c'est un petit peu trop difficile. Je m'avance. Ok. Et je viens ici. Ce sera beaucoup plus facile. Et si bien au contraire ben, c'est trop simple, vous sentez que vous pouvez en faire plus. Et je sais que vous êtes super motivé pour toujours vous donner à fond. Et ben vous reculez et là même travail. Vous pouvez descendre et repousser pour remonter. Ok. À vous de voir. Bien évidemment, cet exercice sera à faire sur les deux bras. Donc, dès qu'on a fini avec un bras, on le fera avec l'autre. Le but est de réaliser sur chacun des bras exactement 15 répétitions. C'est compris ? Donc, 15 bras droits, puis 15 bras gauche. Et ensuite, on passe à l'exercice numéro 3. Et nous voilà arrivés à l'exercice numéro 3. Alors, pour cet exercice, vous voyez ici, moi, autour de moi, il y a de l'herbe qui est assez, c'est assez molletonné, c'est assez cool. Je vous conseille d'avoir quand même un tapis autour parce que dans un premier temps, lorsque vous allez essayer pour la première fois ce mouvement, vous risquez peut-être d'être déséquilibré et donc essayez de faire en sorte que autour de vous ce soit confortable. D'accord ? Alors, ce travail, vous voyez, je prends un petit peu mes précautions avant pour vous l'amener. Ce travail, ça va être le handstand push-up, mais le vrai cette fois-ci. D'accord ? Alors, bien entendu, avec suspension de traîneur, ok ? Mais le handstand push-up quand même. Le but, on va se mettre en fait en poirier ou en ATR et réaliser eh bien, tout simplement des pompes. Ok ? Alors la technique, vous allez attacher vos pieds à votre suspension de traîneur et ensuite suivez le guide. Dans cette position, voilà, les mains sont bien au sol et vous allez tendre les jambes. Ok ? Reculez les mains. Voilà. Jusqu'à arriver à la verticale. Dans cette position, serrez bien les abdominaux et là vous allez descendre et pousser. On descend en inspirant et on pousse en soufflant. Ok, encore une fois. Et pousser. Et cet exercice sera à réaliser exactement 5 répétitions. Ça marche ? Eh bien écoutez, maintenant. Vous connaissez les trois mouvements principaux de cette séance. Donc je vous rappelle, le premier, c'est les pompes au sol. Le second, c'est le triceps extension, mais avec un seul bras. Et enfin, le dernier, c'est le handstand push-up. Okay ? Donc ces trois
exercices, vous devrez les enchaîner avec un cycle entier. Le tout sera donc à réaliser 3 fois. Une fois que ce sera fini, ce n'est pas bien sûr, je vous réserve une petite surprise, donc une fois que vous aurez fini ces 3 cycles avec tous les mouvements, on passera directement au dernier mouvement qu'il faudra réaliser. Et là, je vous laisse patienter, vous allez bien rigoler. Allez, à tout de suite. Et voici donc ma petite surprise. Ce que je veux, c'est que vous réalisiez en tout 60 répétitions. Alors ça va peut-être vous paraître un petit peu long, vous pourrez vous aider, je vais vous montrer plusieurs techniques pour y arriver, mais ça c'est l'objectif à réaliser pour cette séance numéro 15, ok? Alors l'exercice va être le suivant, ce seront ce qu'on appelle des dips. Alors les dips ce sont des flexions de bras, d'accord? Et ensuite il faudra repousser. Donc vous êtes dans cette position, voilà, soyez fort sur les bras. Et dans cette position, vous allez descendre ici au maximum et repousser. On descend et on pousse. Ok ? On descend et on pousse. Donc pour y arriver, vous aurez plusieurs possibilités. Le tout, c'est d'en réaliser, comme je vous ai dit, 60. Ce sera la fin. Vous pourrez les faire 6 fois 10 si vous voulez. D'accord ? Vous pourrez faire 12 fois 5. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Donc, ce que je vous propose ensuite au niveau des positions. Sachez que plus vous allez tendre les jambes, c'est-à-dire plus vous serez comme ça, et plus le mouvement sera difficile. Plus vous ramènerez ici les jambes repliées, et plus ce sera un petit peu plus simple parce que vous pourrez vous aider, cette fois-ci vous pourrez vous aider un petit peu de vos jambes. Voilà. Donc, et une fois que vous aurez terminé ces 60 répétitions, vous serez heureux car la séance sera terminée. Ok ? Eh bien écoutez, maintenant, moi je vais m'y mettre, je vais enchaîner tous les exercices, rien que pour vous. Et ensuite, eh bien ça sera votre tour et il faudra me dire ce que vous en avez pensé. Ça marche ? Allez, à tout de suite et souhaitez-moi bon courage. Ok, les 3 premiers exercices sont terminés, maintenant place aux dips. Eh bien ça y est les amis, je l'ai fait, c'est terminé pour moi et je peux vous dire que là sur la fin, les derniers dips, les triceps, je les ai sentis, oui ça faisait très mal. Mais ne vous inquiétez pas, demain les bras vont être tranquilles, d'accord ?
tranquille pour le 16e jour d'entraînement. Demain, 16e jour déjà, hein, le temps passe. Hein. Et bien voilà, surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit au niveau de l'entraînement, de la nutrition ou autre, d'accord, ou un exercice que vous n'avez peut-être pas compris, j'aurais peut-être mal expliqué. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futurs entraînements. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, en pleine forme, et prenez soin de vous. Allez, à plus, salut, prosse.